Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 106 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui à Offline. Offline, c'est un petit jeu de plateforme que j'aime bien. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais le mettre en vidéo et je vais le mettre dans les émissions de Stage One. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en français. J'ai réinitialisé tout pour qu'on parte vraiment de zéro. Donc, il faut que je configure un peu les boutons. Je sais plus qu'est-ce que je mets d'habitude. Ouais. Alors, ou bien que je vérifie parce que bon, les mouvements aussi sont pas tous top. Voilà, au niveau des flèches, c'est faut le changer parce que c'est pas dans l'ordre, c'est pas bien. Voilà, ils nous mettent A et tout pour aller à gauche, des trucs c'est bizarre. Pourquoi ils ont pas gardé le ZQSD de base? Je sais pas. Donc j'ai peut-être fait un peu le con parce que j'ai viré la config en même temps que ma sauvegarde. Comme ça, j'étais sûr. C'est ce que je fais en général quand je teste le jeu, je supprime toutes les sauvegardes que j'ai faites avant. Parce que je joue un peu quand même au jeu avant de vous présenter, ça dépend les jeux. Des fois il y en a, je joue direct. Donc là, je vous laisse la cinématique d'introduction. Voilà la petite vidéo d'introduction toute simple et nette. Donc voilà, là on a le chargement du niveau. Ça y est, c'est à nous de jouer. Alors on contrôle la petite bestiole que vous voyez ici. Alors comment je sors déjà? Non, pas de nom. Hop. Donc ça c'est une sorte de petit checkpoint. On raterrit à chaque fois à ces petits endroits là quand on perd. Donc voilà, on récupère. On se promène donc avec le petit bonhomme là que vous voyez. Et pour l'instant, hop, j'essaie de me familiariser, de me refamiliariser avec les touches. Il faut récupérer les petites notes de musique. Alors là, j'ai de la peine. Hop, je vais peut-être inverser mes mains parce que c'est un peu la mouise. Voilà. J'aurais peut-être pas dû configurer comme ça. Déjà, j'ai configuré un maximum parce que bon, le ZQSD qui était pas bon. Donc là, on récupère les petites notes de musique. Ça joue de la musique si vous. À chaque fois que j'en touche une. Donc voilà. C'est un jeu musical hein, de plateforme qui on ne touche absolument jamais la musique, mais je veux dire le thème en lui-même c'est un peu les petites notes, la musique. Vous allez voir tout à l'heure on va allumer des petits trucs. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Alors là on monte, voilà, donc là il y a des petites vagues qui nous portent. Je sais pas si vous voyez.
Et on a fini normalement, voilà, le premier niveau. Donc on a un score de points, on peut débloquer des trucs, ça se fonctionne par petits niveaux comme ça. Voilà, encore un chargement. On va faire quelques niveaux ensemble, on va pas... Je vais pas vous le cacher, de toute façon c'est comme ça, hop là. Ça y est, le niveau démarre, alors on commence à récupérer des petits machins, hop, hop, hop. Je sais pas si c'est mieux, faudrait tous les récupérer je pense. Donc là, left button, il faut que j'appuie parce que sinon je vais tomber, il va falloir que je plane. Alors normalement, ah je me suis trompé de bouton, j'appuie sur l'autre. Donc vous voyez, ici on a un truc, on appuie sur C, ça s'appelle checkpoint et on revient ici. Comme je vous ai dit, c'est les checkpoints auxquels on revient. Donc j'ai trouvé la bonne touche, ça y est, left bouton, je me suis trompé. Allez, hop, et voilà, on plane. Magnifique, ça c'est fait, hop hop hop. J'aurais même pu planer correctement. Donc là, il faut appuyer sur V. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous servir beaucoup de fois, regardez. Donc en appuyant sur V, ça change les couleurs. Et il apparaît des trucs et il disparaît des trucs. En fait, c'est un peu des deux. Donc ça va nous servir pour grimper plus tard. Regardez, alors, right button, donc là c'est l'autre bouton, regardez, ça va faire de la musique. Hop, ça fait de la musique et ça fait pousser une fleur. Alors, à quoi ça sert, je ne sais pas. Ça doit rapporter des points sûrement, c'est des objectifs, hein, des objectifs de mission. Donc là, faut encore appuyer sur V. Hop, on voit qu'il y a un petit flux qu'on ne voit pas si on appuie pas sur V. Hop là, donc c'est bon. Right button. Ouais, voilà. Ah bah ça fait apparaître des petites notes, hein, vous avez vu. Hop. Voilà. Encore un petit checkpoint. Donc celui-là, c'est comme ça fonctionne au même principe que le checkpoint de tout à l'heure. Que celui du début. Hop, on descend. Hop, ah, je me suis raté. Donc là, quand on se rate, on appuie sur C. On revient ici. Et on réessaye. Hup, on passe en dessous. Et hup, on passe au-dessus. Allez, hop, hop. Donc là, il y a un petit truc. On appuie sur V pour le voir. Pour l'instant, ça reste tout simple. Hein. Ça reste dans le domaine du faisable. C'est sûr que plus on va avancer, plus ça va se compliquer. Alors là, par exemple, regardez. Il faut que je passe et que je rechange la vision au moment où j'atterris là-bas. Regardez. Hop. Là, il faut que je change. Vous avez vu, j'ai changé. Si j'avais continué, bah en fait, j'aurais tourné en rond. J'aurais tourné en rond indéfiniment. Alors, left bouton. Ah, je me suis encore trompé. Je l'ai fait trop tard. Je me suis trompé le bouton et... Ouais, j'ai un peu perdu l'habitude. Ah, c'est pas encore ça. Hop. Ah bah non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je double saute avant pour être assez haut quand j'arrive là-bas. Pour pas avoir besoin de lâcher. Et je me suis trompé de bouton. Allez, on va y arriver. Une dernière fois. Allez. Allez, hop, hop. Et voilà. Pioup, pioup, on descend. Là, encore un petit... Une petite bouffée d'air et on monte. Et sur ces couloirs là, comme ça veut dire qu'on a terminé le niveau. Hop là, on peut monter, mais ah bah si, il y en a encore un peu. Mais c'est terminé. Voilà. Vous voyez le nombre de petites notes que j'ai récupérées. Il y en avait 300 en tout. On a un temps. Donc je fais pas le meilleur des scores, c'est sûr que s'il faudrait passer plus de temps. Mais là, bon, je joue vite fait. Pas non plus. Allez. Alors, V. Voilà, donc là c'est ce qu'on disait, regardez la plateforme, je pouvais pas passer, là je rappuie dessus, hop, maintenant je peux monter dessus, et ça va jouer là-dessus, hein. Vous allez voir, on va faire un peu d'escalade, regardez là-haut, je peux pas, enfin, c'est une plateforme qui existe, si je passe en V, elle va disparaître tout ça là, hein. tout ce triangle là, il disparaît, regardez, attention, il va falloir être rapide, hop là, pour que je passe à l'intérieur, il fallait que je le fasse disparaître et réapparaître en même temps, allez, hop, voilà. Non, il n'y a rien à... Je sais pas ce que c'est ce truc au milieu, en fait. C'est bizarre. Hop. Yep. Je vais pas y arriver à monter. Donc, c'est un jeu qui est plutôt bien, si vous voulez passer le temps, ou quand vous voulez vous éclater. C'est surtout pour le fun. C'est un petit jeu. C'est pas sympa. Alors là, encore de la note de musique. Allez. Hop là. Un petit jeu, il est beau. Il est fait par Ankama, on l'a vu au début. Ankama qui ont fait, comme vous connaissez sûrement, Dofus et tout ça. Ah, non. Hop. Par contre, comment je fais une fois que je suis là? Il faudrait que je remonte en haut, là.
Parce que là j'ai rien pour me... Merde. Ouais, non, ça suffira pas à sauter, ça. Je suis un peu bloqué. Il faut que je me mette plutôt ici. Je fasse plutôt un truc dans ce genre-là, voilà. Et voilà, en faisant réapparaître la plateforme, en appuyant sur V, donc faut être assez rapide au niveau du réflexe. Hop là. Hop. Ah non ! Ah non ! Ah non, je me suis gouré ! Au lieu de sauter, j'appuie sur V. Bon, ça va, on n'était pas tellement loin. Hop, on refait ça vite fait. Sans nouvelle explication, parce que vous avez compris comment ça marchait. Tac, 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 vite, hop, on monte là. Ah ! J'ai un peu du mal à suivre avec l'écran. Hop là, hop là. Un peu de la peine avec ma touche aussi. Hop là. Ah, je suis déçu de ne pas avoir réussi là. Hop là, hop là, hop là. On monte, ça y est, on le refait. Alors là, on va faire attention de ne pas se gourer. Il faut bien sauter avant. Voilà. Là, on fait apparaître. Et on saute dessus. Alors, attention de ne pas se gourer, de ne pas tomber dans le précipice. Alors là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Oui, voilà, il faut que je joue des notes de musique. Allez, hop là, donc on peut continuer à monter. On monte, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je saute pour récupérer celle-là, mais ouais. Bon, c'est vraiment pour trois petites lumières, c'est ceux qui veulent pas... ceux qui veulent pas foirer. Ah, y a des petits mecs dans les bulles, là, je sais pas trop ce que c'est. Ça... Tiaf ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'appuie sur C. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le panneau devant vous pour faire un checkpoint. Comme ça, là. Ah, c'est juste pour récupérer les lumières, apparemment. Et ben, on va continuer. Avançons. Hop. Hop, 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 hop. Et on saute, on double saute, et hop. Et là, ça commence à se complexifier un petit peu. Il faut que je fasse ça. Voilà. Oula, ça c'est un ennemi, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Je pense qu'il faut pas que je le touche. Attention. Ouais, c'est bizarre. Bon, allez, on monte, et ça doit être la fin du niveau. Oui, voilà. Du niveau, on récupère les petites loupiottes. Voilà. Bon, je récupère la moitié, 184. Bon, là, un peu plus de la moitié, quand même. C'est pas encore tout à fait ça. Donc, ce sera tout pour Flynn. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.